Alors moi, l'astrologie, j'adore. Je m'y intéresse beaucoup, notamment aussi à l'astronomie. J'aime beaucoup les étoiles, les planètes. Et je trouve que c'est un rapport, voilà, avec quand est-ce qu'on est né. Mais tout a un lien, en fait. Les astres, le cosmos, bref. Moi, je sais que je suis vierge, ascendant vierge, et que ma planète, c'est Mercure. Mercure, on ne la voit pas tout le temps, en plus, dans l'année, il me semble. Enfin bref, d'ailleurs, je vais m'acheter un télescope. Alors moi, ce que je sais de mon signe, c'est qu'il y a les vierges fous et les vierges sages. Moi, je sais que je ne suis pas vierge sage, ça c'est sûr. Voilà, je suis bien trop, trop. Mais je sais quand même canaliser aussi. Je sais que les ascendants, bah, du coup, ça joue aussi. Je sais également qu'il y a comment dire, que c'est réparti avec des éléments. Bah, du coup, il y a les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre. Moi, je suis un signe de terre. Moi, je m'entends très bien avec les signes d'eau. Il y a les signes de feu. Voilà. Et tout ça joue vraiment sur les caractères. L'ascendant, on va dire que ça va peaufiner votre personnalité. Du moins, si vous êtes vierge, vous avez une personnalité de vierge. Mais vu que vous êtes allé, admettons, ascendant scorpion, vous avez un peu des traits du scorpion. Ça va jouer en fait sur votre signe en globalité, sur vous-même. Alors moi je sais que la meilleure comptabilité, ben non, on n'est pas là à faire des maths, la meilleure compatibilité, compatibilité avec moi, je sais que moi c'est les signes d'eau. Après je sais aussi que les signes de feu, par exemple les taureaux, ben, je m'entends bien avec sentimentalement. Mais surtout les cancers, les poissons, enfin tout ce qui est signe d'eau, on va ensemble. Les signes de terre et d'eau, ça va beaucoup ensemble. Pour moi, le meilleur signe en amour, le plus dévoué, c'est le Verseau. C'est des personnes qui donnent tout, qui sont très, qui ont besoin d'amour dans leur vie et qui sont très, voilà, l'amour est très présent dans leur vie et ils dévoilent tout en général. Le meilleur signe en amitié, je vais dire le poisson, parce que le poisson c'est un signe très calme, très gentil, en général il s'adapte à tout le monde. On peut pas ne pas aimer un poisson en fait. Voilà. Bah, tout est différent en fait. On va dire que les taureaux, les béliers, ils sont très. Ils ont assez un fort caractère en général, c'est pas pour rien d'ailleurs que. Voilà. Les scorpions aussi, ils ont un caractère assez différent. Ils aiment plaire, ils aiment la séduction. Les sagittaires, ils sont très rancuniers, par exemple. Ils aiment la liberté, ils aiment voyager. En fait, chaque signe est différent et après, chaque personne aussi est différente. Donc, les signes varient d'une personne à l'autre. Il peut y avoir deux vierges, mais deux vierges différentes. Le plus infidèle, je pense que... Il y a des infidèles partout, dans tous les signes. Après, comme je l'ai dit, le scorpion, ils aiment beaucoup plaire, donc je ne vais pas dire que c'est de l'infidélité, mais ils aiment séduire en fait. Le plus lunatique, je vais dire le gémeau, parce que c'est une double personnalité, donc ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté, mais ils peuvent varier souvent. Ils peuvent passer d'un petit agneau à d'un coup la colère folle, voilà. Le plus compliqué, ben moi je dirais la Vierge. Mais c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a deux types de Vierges. Et en fait, pour moi, il y en a plus que deux. Il y en a plein. C'est hyper complexe les Vierges. Ouais. Ouais, franchement, les Vierges, je pense que c'est le signe le plus compliqué. Poisson, direct. Dès que je pense à zen, gentillesse, je pense aux poissons. C'est des gens très posés. En général, ouais, ils ont la gentillesse en eux. Le plus fun, les sagittaires sont très fun, bah, les scorpions aussi. Ouais, scorpion, sagittaire, je dirais. Alors par exemple, je sais que Safia, elle est vierge comme moi, mais en fait, on a des caractères très opposés, c'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment la vierge sage et moi, la folle, quoi. Mais sinon, on a des traits qui se ressemblent dans le caractère.
n'y a pas de signe qui m'énerve spécialement, mais je dirais les taureaux sont difficiles à gérer. Alors, c'est pas que ça m'énerve, mais j'ai eu un ex qui était taureau, c'était très compliqué hein, quand même, ils ont un fort caractère. Le signe que j'ai le plus aimé, je dirais cancer, mais bon. Franchement, je pense que ça joue pas sur les signes. Il n'y a pas de signe vraiment qui est déprimé. Ça, c'est les personnes, comment elles sont. Tous les signes peuvent subir la déprime. Hein. Le pire signe avec qui je suis sortie, c'était le taureau. Une horreur. Une horreur, en fait, c'est simple. Après, je dis pas que tous les taureaux sont comme ça, mais lui, ça ne collait pas du tout avec moi. Non, j'ai jamais eu des a priori par rapport à un signe. Déjà, je connais pas les gens d'abord par rapport à leur signe, donc en général, je le sais après leur signe. Donc non, j'ai jamais eu d'a priori.